Donc, on peut déduire ensemble c'est quoi les règles qui nous permettent de créer une nouvelle molécule « from scratch » à partir d'un crayon puis d'une feuille. Ben vous le savez, il faut commencer par écrire les atomes avec leurs électrons de valence sur votre table. Fait que si vous avez affaire du CH4, placez vos atomes avec leurs électrons de valence puis vous devrez les combler pour atteindre l'octet. Mais vous avez vu que des fois... On ne respecte pas l'octet. Petit truc, mettez l'atome au centre qui est capable de faire le plus de liaisons, sinon vous allez être mal parti. T'sais, les H sont capables de juste faire une seule liaison. Si vous le placez au centre, ça va faire une molécule un peu curieuse. Fait, truc, vous placez l'atome capable de faire le plus de liaisons au centre. Une fois ça fait, reliez les atomes ensemble en recouvrant les électrons, en faisant des partages électroniques. Et vous obtenez donc votre CH4. Comme ceci. On vérifie si tout le monde respecte l'octet. Carbone, oui. Hydrogène, ben, il ne peut pas. C'est correct. De toute façon, on lui respecte la règle du doublet. Ensuite, C2H4, C5H8, vous avez réalisé que quand il manque des hydrogènes, vous pouvez faire des liaisons doubles ou des triples, mais jamais des quadruples ou des pentuples. Des liaisons simples, doubles, triples, ça fonctionne. Fait que C2H4, on l'a fait tantôt. C5H8, ça donnerait quoi Vous pourriez même vous amuser et placer. Ça, c'est les joies de faire de la chimie organique, la chimie du vivant. Vous pouvez placer les carbones comme bon vous semble, vous pouvez faire une infinité de molécules différentes juste à partir du carbone. Vive la tétravalence du carbone, vive le fait qu'il soit capable de faire quatre liaisons. H, on peut en mettre un peu partout. J'ai placé mes ingrédients sur la table, je suis prêt à faire ma recette. On va commencer par former une seule molécule. On va former notre squelette. Lui est entouré. Notre squelette de notre molécule. Puis on va relier tout le monde ensemble. Comme ça, comme ça, comme ça. Euh, hey, notre carbone qui est ici, il aimerait ça faire trois liaisons. Donc on pourrait lui donner lui. On pourrait lui donner lui. On pourrait lui donner lui. Puis là, hop là, vu qu'on va manquer d'électrons, on fait quoi On pourrait faire une liaison double ici. Comme ça, comme ça. On aurait une liaison double. On a besoin de moins de H. À chaque fois que vous avez pas assez de H, vous pouvez faire des liaisons doubles. Ah Puis là, il nous en reste juste deux. On les relier ensemble. Juste pour le C5H8, vous pouvez faire une infinité de réponses. Dans ce cas-ci, ça donnerait ceci. Ceci, ça donnerait ceci. CH3, C avec une liaison double sur un C, puis en dessous, on a un carbone avec trois hydrogènes. Avec un autre carbone qui est à côté avec une liaison double. Avec un autre carbone qui lui a deux hydrogènes. Mais vous auriez pu faire un cycle aussi. Vous auriez pu relier des atomes ensemble. Si vous vous des hydrogènes, puis vous avez trop d'électrons, vous pouvez les relier, puis faire une boucle comme ça. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes à placer. Puis on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 électrons. Bon, wow. on n'a pas assez d'hydrogène. On peut faire une autre liaison double comme ça. Puis là, après ça, placer notre hydrogène. J'ai oublié de placer mes ingrédients sur la table en premier. Je m'excuse. Quel chef culinaire wild je fais 8. Donc, ça vous donne C, 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 avec une belle liaison double ici. Ces deux carbones-là ont un seul hydrogène à côté. Avec ces deux carbones-là, si vous voulez, vous pouvez les numéroter. Hein? Si vous vous perdez, ça, ce serait le carbone 1. Ça, ce serait le carbone 2. Comme ça, le carbone 2, il y a donc euh, une liaison double à gauche, un hydrogène en bas à droite. En haut, il y a une liaison qui monte vers le carbone 3. On va le baptiser 3. Bonjour 3. Puis là, ce carbone 3-là est relié avec 2H. Ce carbone 3-là est relié au quatrième carbone qui est ici. On fait une liaison comme ça. Ce carbone-là un H-là. Il y a un H-là. Le quatrième carbone doit se lier au prochain carbone qui est ici, qui est lié avec un H et un H. Puis il est aussi relié au carbone 1. Et voilà. Une autre molécule possible que vous auriez pu faire avec C5H8. Donc, si vous manquez des, euh, des hydrogènes, si vous avez des électrons tout seuls et que vous ne pouvez pas atteindre l'octet, faites des liaisons doubles, faites des liaisons triples, vous allez combler l'appétit de vos atomes. Ah oui, des fois, ça devient radical. Euh, et non, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du monoxyde d'azote. C'est pas super génial comme molécule, c'est super toxique. Respirez pas ça. ça... Bon, d'abord, vous pouvez tomber inconscient assez vite, vous pouvez suffoquer, vous allez développer des cancers si vous survivez à la première inhalation. Ça reste super dangereux pour tout plein de raisons. Le N commence avec 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence puisqu'il est dans la cinquième colonne. L'oxygène commence avec 6 électrons de valence puisqu'il est dans la sixième colonne. Relions-les. Euh, L'oxygène a besoin de deux liaisons. Une, 2. Et c'est pas mal fini. Là. Mais ça ne va pas bien. L'oxygène est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'il est stable. Je remets mes doublets comme ceci. 1, 2, 3, 4. Il me restait 4 électrons pour faire mes doublets. Puis notre azote, il se ramasse avec un doublet. Puis notre tout électron est tout seul. On appelle ça un radical. Ça, c'est violent. Un électron tout seul, il va tout faire pour se relier à quelqu'un s'il rencontre une molécule sur vous par exemple il va briser une liaison pour qu'il trouve enfin son partner laissant, tout seul, hein? il y avait deux atomes qui partageaient deux électrons ensemble. Il y en a un qui brise le couple pour se relier avec leur radical, laissant un électron célibataire, un électron radical. Fait que notre célibataire va aller briser le couple qui est juste à côté pour pouvoir unir les deux électrons ensemble, laissant un nouveau célibataire qui va aller briser un autre couple, qui va aller briser un autre couple, qui va aller briser un autre couple, qui va aller briser un autre couple. Ce qui est super dangereux. Quand ça tombe sur la molécule d'ADN, puis qu'il y a un radical libre qui tombe dessus, ça fait tout plein de mutations, parce que toutes les liaisons vont changer de bord d'une façon complètement aléatoire. C'est pas super bon pour le vivant. Fait que, respirez pas ça. Euh, les radicaux libres, c'est fait partie des choses qui causent le cancer. Donc, c'est un électron seul qui est capable d'aller briser une autre liaison. Quelquefois, on est obligé de dessiner des radicaux. Fait que, si je vous demande de dessiner une molécule de NO... Mais, Colin, vous commencez avec un nombre impair d'électrons de valence, vous allez être obligé d'avoir un radical. Si vous commencez avec un nombre pair d'électrons, là, vous allez être correct. Comme par exemple, si vous avez deux n lui, il y en a 5, lui, il y en a 5, vous avez 10 électrons de valence. fait que vous allez être capable de ne pas avoir de radical. Mais dès que vous, je vous donne NO, vous le savez que vous ne pourrez pas avoir juste des paires d'électrons. Vous allez avoir un radical libre là-dedans et ça va être dangereux. Méfiez-vous. C'est quand même cool. Là, maintenant, vous avez de, de plus en plus de règles pour pouvoir dessiner à peu près n'importe quelle molécule. Mais vous commencez à avoir des règles aussi qui permettent de prédire comment ça va se comporter. La molécule d'NO, on va essayer de la dessiner. Vous allez voir, c'est une autre qui, en, qui est assez spéciale. Elle aussi est dangereuse. On relie tout le monde. On fait une liaison, deux liaisons. 3 liaisons, comme ça, lui, respecte l'octet, lui respecte l'octet, mais pas lui. Pauvre homme, ça va pas bien. Puis on va réessayer autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va relier lui, tiens, on va relier lui. Puis, euh... qu'est-ce qu'on préfère, là Si je relie à gauche, il sera pas correct. Si je relie à droite, il sera pas correct. Puis je sais que plus je m'en vais en haut à droite du tableau périodique, plus les atomes attirent fort les électrons, plus ils veulent les garder pour eux. Regardez ça l'oxygène se retrouve en haut à droite du tableau périodique par rapport à l'azote. Mettons qu'on lui vole un électron puis qu'on l'amène sur lui. Ça nous donnerait quoi On aurait une, deux, trois, quatre, cinq eux autres sont partagés le N vient d'en perdre un il reste ceci il y a un électron de plus. Lui, il ne respecte toujours pas la règle de l'octet. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, lui, il respecte. Oh, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, il ne respecte pas la règle de l'octet. Lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Ah, lui, il respecte la règle de l'octet. Lui, il ne la respecte pas, il ne la respecte pas, il la respecte. Ah, puis d'ailleurs, il ne faut pas oublier, quand on transfère un électron, il devient chargé négativement, puisque les électrons sont négatifs. Et l'azote, lui, il vient de perdre un électron. Donc, il y a un proton à l'air, il se ramasse positif. Mais il ne respectait pas l'octet. L'oxygène non plus. Mais il avait juste besoin d'unir deux de leurs électrons ensemble dans les liens de la liaison covalente. Et là, lui respecte l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui ne respecte pas l'octet. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Il respecte l'octet. On a donc deux possibilités. Celle-ci et celle-là. Quand vous dessinez une molécule, puis que ça ne va pas bien. La molécule est super complexe, elle existe. Euh, NO2, par exemple, vous avez un nombre impair d'électrons, vous savez qu'il va avoir un radical libre. Il faut se demander qui attire le plus l'électron. Si c'est l'oxygène qui attire le plus l'électron, Bien, il va falloir privilégier la forme de la molécule où c'est justement l'oxygène qui va respecter l'octet, qui va arracher l'électron. Parce que oui, cette forme de molécule-là va exister, mais juste une fraction de seconde. L'instant d'après, l'azote, lui, il n'a rien vu venir, s'est fait voler un électron. L'oxygène s'est ramassé avec ses 8 électrons, bien heureux, même chargé négativement, pas grave, il y a l'octet. L'azote se retrouve tout seul, essaye de retirer sur l'électron, ne tire pas assez fort, il est à gauche de l'oxygène. Et c'est cette molécule-là que vous allez rencontrer. Lorsque vous allez voir du NO2. Fait que quand vous voyez un nombre impair d'électrons sur une molécule, il va y avoir un radical libre. Si plusieurs choix s'offrent à vous, assurez-vous que ce soit l'atome le plus en haut, à droite du tableau périodique, qui va avoir ses électrons, justement. Fait que là, on avait le choix entre l'azote ou l'oxygène l'oxygène gagne. Fait que la molécule de NO2 ressemble à ceci. Mais on n'a pas fini pour le NO2. On aurait pu arriver à une autre forme. On aurait pu arriver à ceci. Ah, dans le fond, la molécule miroir, mais ça aurait pu être, au lieu de l'oxygène de, de droite qui gagne un électron, ça aurait pu être l'oxygène de gauche qui gagne un électron. Ça veut dire que les deux sont autant possibles l'une que l'autre, et que même dans la nature, on se le schématise comme, souvent comme ça, les deux molécules vont alterner de l'une à l'autre. On peut même s'amuser à dessiner quest ce qui va se passer. Il va y avoir deux électrons qui vont sauter sur la liaison simple, qui va former une liaison double. Sauf que l'azote, lui, va se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 électrons. On ne peut pas garder 9 électrons de valence. Fait que les deux électrons ici vont être expulsés, puis vont sauter sur l'oxygène pour que lui arrive à 8 électrons de valence. Et vous allez retrouver cette forme-là. Une fois que les deux électrons ici ont sauté sur l'oxygène, ça ressemble à ça. Puis une fois que les deux électrons ici ont sauté sur l'azote, ça ressemble à ça. Fait que la molécule va passer son temps à alterner. D'une phase à l'autre. Parce qu'une fois que vous êtes là, les électrons peuvent ressauter sur la liaison, puis après ça, les, la liaison peut ressauter sur l'oxygène. Vous allez être en équilibre entre les deux formes, puis vous allez avoir un mix des deux. Lorsque vous allez analyser la molécule, vous allez réaliser qu'il va y avoir un état hybride entre les deux formes, des deux états limites de résonance. Ah oui, on appelle ça de la résonance. Comme ils passent leur temps à passer d'une molécule à l'autre, on appelle ça de la résonance. Fait que ce sont nos deux états limites de résonance et l'hybride de résonance, c'est la moyenne des deux. L'azote se retrouve tout le temps avec un électron sur le chapeau, avec un plus. Il y a tout le temps au minimum une liaison à gauche une liaison à droite, mais des fois il y a une liaison double à droite, des fois il y a une liaison double, je le fais en pointillé, à gauche. L'oxygène qui est ici a des fois 4 électrons, des fois 6 électrons. Des fois quatre électrons, des fois 6 électrons. Donc là, ici, on faisait des lignes pointillées. Quand c'était une ou deux, on ne peut pas faire un point pointillé. J'ai essayé, je ne suis pas capable. <laughs> Quand le nombre d'électrons de valence change sur un hybride de résonance, on ne les dessine pas, tout simplement. Puis l'oxygène qui est à gauche est-il neutre ou négatif? Dans le fond, la moitié du temps, il est, pour... il est neutre. L'autre moitié du temps, il est négatif. On fait la moyenne des deux. Comme ça se passe super vite, on se schématise que ça se passe super vite. La charge de l'oxygène va être de moins une demi, hein? la moitié du temps positif, non, c'est pareil, la moitié du temps neutre, la moitié du temps négatif. Et l'autre oxygène, la moitié du temps il est négatif, la moitié du temps il est neutre. Donc, comme c'est une fois sur deux qu'il est chargé négativement, je mets moins une demi. Donc, voici ma molécule de NO2. Fait On a un radical libre là-dedans, c'est sûr que c'est cancérigène à mort cette affaire-là. En plus, il y a des charges, ça risque d'interagir super facilement avec vous autres. Ça va pas bien. Fait que ça, c'est le genre de molécule complexe que vous pourriez avoir à dessiner à l'examen. Puis surtout, à m'expliquer pourquoi c'est comme ça. Ah oui, quand j'ai dit transférer un électron vers le plus électronégatif. Donc, c'est mon symbole ici, vers le plus électronégatif. Électronégatif étant celui qui attire le plus les électrons, le plus en haut à droite dans le tableau périodique. O3, c'est une autre molécule qui est assez complexe. Pourtant, ça existe de l'ozone. Heureusement que ça existe. Vous avez donc trois oxygènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vos six oxygènes. Première étape, on relie tout le monde pour faire une seule molécule. Lui vient de respecter l'octet. C'est fini. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. Hum, 3, 4, 5 ça va pas bien 1 2 3 4 et 1 2 3 4 5 ça ne va pas bien on a affaire à des radicaux libres notre truc de tantôt c'était des transferts d'électrons fait qu'on va essayer de transférer un électron fait qu une fois qu'on est ici si on transfère un électron à lui est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de nouveau 1 2 3 4 5 6 1 2 on est rendu à ça. il ne faut pas oublier, lui devient positif, lui devient négatif. Lui, maintenant, respecte l'octet. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. Lui, est-ce qu'il respecte l'octet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pff, pas toutes. Lui, est-ce qu'il respecte l'octet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, pas toutes, mais on a deux, électro... deux atomes qui ont 7 électrons de valence, donc on a juste à les relier ensemble. Ils vont tomber à 8. On redessine ça. Un moins ici. Lui, Il se commence avec ces deux petits électrons. Il est toujours positif, mais avec deux liaisons maintenant vers son chum, qui lui est neutre, stable. Avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouf! Parce qu'on avait un nombre paire d'électrons là-dedans. Là. Je ne voulais pas arriver avec un radical libre. On, on est capable de relier quelque chose. Euh, fait que ça, c'est une possibilité. Ici, on aurait pu transférer de l'autre côté, n'est-ce pas? Si on avait transféré de l'autre côté, ça aurait donné la molécule jumelle. Comme ceci, lui négatif, lui positif, tout le temps son chapeau. Fait que ça nous fait donc deux possibilités, deux états limites de résonance. Fait que souvent, nos états limites de résonance, on les met en crochet comme ceci. Puis on met nos flèches pour dire que ça change d'un bar à l'autre. Ou du moins, on le schématise comme ça. Et l'hybride de résonance, si on analyse la molécule, ça va nous donner ceci. On va retrouver un atome central avec. Deux liaisons autour, avec quasiment une autre liaison. Et celui-là va être chargé de combien La moitié du temps, il est négatif. L'autre moitié du temps, il est neutre. Donc la moitié du temps négatif. Puis à droite, la moitié du temps négatif. Et je ne place pas mes électrons sur les oxygènes des extrémités parce qu'ils passent leur temps à changer de, 3, de 4 à 6. À 4 à 6. À 4 à 6. Comme je ne peux pas faire des points pointillés, ben on est obligé. De ne pas les dessiner. On place juste les électrons là où on est certain de leur nombre. Donc ça ici, c'est l'hybride de résonance de la molécule d'ozone. D'ailleurs, si on calcule la fréquence à laquelle la molécule d'ozone switch d'un état à l'autre, ça donne la fréquence des ultraviolets, de certains ultraviolets. Et c'est ce qui fait que l'ozone est capable de bloquer les ultraviolets. Donc c'est pour ça qu'on est heureux d'avoir une couche d'ozone qui bloque beaucoup d'ultraviolets. Entre autres, c'est à cause de la résonance à l'intérieur. Quand vous voyez une molécule avec de la résonance, elle va interagir avec la lumière. Peut-être que ça va être dans le non-visible, comme dans les ultraviolets. Mais pour les pigments, comme ceux que vous rajoutez dans vos gâteaux de fête, dans vos cupcakes, quand vous les mettez rouge, bleu, orange, c'est des molécules avec de la résonance comme ça. Et c'est ça qui permet d'interagir avec la lumière. Selon la fréquence de la résonance, vous allez absorber certaines longueurs d'onde spécifiquement selon le type de résonance et vous allez donner de la couleur. Fait que toute le, la couleur du vivant provient de la résonance comme ça. Donc, on vient de se rajouter une quatrième règle. S'il y a plus qu'une réponse avec différentes liaisons seulement, Bien, on appelle ça de la résonance. En fait, c'est une seule molécule qui switche, on se schématise comme, étant, comme si elle switchait d'un état à l'autre. Je vous dis depuis tantôt qu'on se la schématise comme ça parce que quand on analyse, mettons cette liaison-là, on réalise qu'il y a de l'énergie à l'intérieur pour l'équivalent de une et une demi-liaison. Quand on analyse c'est quoi la charge de cet oxygène-là, ben on tombe à moins une demi. Fait qu'on ne retrouve pas, mettons qu'on brûle de l'ozone, là, c'est un peu bizarre de faire ça, on ne retrouve pas des liaisons simples et des liaisons doubles. Non, on retrouve des liaisons une et une demi. C'est spécial. Fait qu'on se laisse représente comme ça. Longtemps, on se disait que les molécules switchaient de l'un à l'autre. On continue à le dire, mais on sait que c'est plus complexe que ça. Et ça, la physique quantique va être capable de nous l'expliquer par après. Fait c'est vraiment intéressant. Prochain exemple, CH3COOH. Dès que vous voyez COOH, on a affaire à un acide faible. Vous vous souvenez quand on arrive avec NH3, quelque chose NH2, quelque chose NH, bon, j'aurais pas dû mettre 1... ou quelque chose N, c'est que ça va être une base faible. Puis dès que vous rencontrez un COOH, ça va être un acide faible. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu, mais c'est quand même deux choses qu'il faut être capable de repérer rapidement. Dès que vous voyez sur une formule chimique NH quelque chose, ça va être une base faible, mais une base. Puis si vous rencontrez COH comme dans le vinaigre, comme dans la molécule de CH3COH, c'est du vinaigre. Ça va être acide. Buvez pas ça toute d'une traite, ça va être trop acide, ça ne sera pas agréable. Et les COH se comportent tout le temps de la même façon. Ça ressemble à un carbone lié à un oxygène par liaison double avec un autre oxygène ainsi que l'hydrogène ici. Fait que dès que vous rencontrez COH, c'est qu'il y a un C liaison double O suivi d'un O suivi d'un H. On appelle ça un acide carboxylique. Carbone, oxyde. Fait que, euh, la particularité de l'acide carboxylique, c'est ceci. Une fois, c'est un acide carboxylique qui rentre dans un bar, puis euh, son H part, et il s'en va voir ailleurs. L'acide carboxylique, il est triste de voir son... <laughs> n'importe quoi. De voir son, son hydrogène partir. Donc là... Quand l'hydrogène part, l'hydrogène n'attire vraiment pas fort l'électron, contrairement à l'oxygène qui, lui, est plus en haut à droite dans du tableau périodique. Fait que les électrons vont rester chez l'oxygène. Dans le divorce, c'est l'oxygène qui garde les électrons dans ce cas-ci. C'est lui qui tire le plus fort. Pas de chance, devant le juge du tableau périodique, l'oxygène garde les électrons, l'hydrogène pleure tout seul. Lui il devient positif, l'oxygène lui a gagné un électron, il devient négatif, et l'hydrogène part. Part pas longtemps. T'sais, il est allé voir ailleurs, il retourne dehors, oh, une belle charge positive, pas positive, né négative. L'hydrogène qui est ici est attiré par la charge négative qui est là, veut retourner, il va être attiré. D'ailleurs, 9 fois sur 10, grosso modo, l'hydrogène va revenir, va refaire la liaison et ça va redevenir un COOH. Sauf que, une fois sur 10, les électrons qui sont ici vont sauter sur la liaison et la liaison double qui est ici va sauter juste ici. Ça va nous donner ceci, tu es en train de faire une bande dessinée. Fait il nous reste juste une liaison double. D'ailleurs, ils vont sauter parce que le carbone n'est pas capable d'avoir plus que 8 électrons de valence. Fait il y a une liaison qui est ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que si les électrons sautent ici, il va tomber à 10. Fait il va kicker des électrons sur l'oxygène. Les électrons ont sauté. Il n'y a plus de liaison double. Fait il va se ramasser avec 6 électrons de valence tout autour. Donc, C'est lui qui va se ramasser avec la charge négative. Et votre carbone qui est ici vient d'avoir une liaison double avec de l'oxygène. Fait que vous avez une, deux, trois, quatre, puis il y, a une liaison, il y a deux électrons qui sont allés pondre une liaison double ici. Fait que le H, il n'est plus attiré par l'oxygène, il est rendu neutre. Fait qu'il va dériver pour essayer d'attirer le négatif, mais le négatif, il peut redescendre en bas. Tout, tout, tout. Fait que là, pendant qu'il monte, l'autre, redescend, l'autre, il va redescend, redescendre, l'autre, va redescendre, puis il va finir par dériver, puis on va perdre de vue notre H. Puis comme un H, c'est de l'acide, c'est ce qui fait que quand vous buvez du vinaigre, c'est pas ça. Ça va goûter super acide. À cause que des H, vous avez des canaux à l'intérieur de vos cellules qui sont capables, qui ont juste la forme nécessaire, c'est négatif à l'intérieur, qui sont capables de faire rentrer les H, puis là, ça active vos cellules, qui envoient des influx nerveux à votre cerveau, puis là vous faites Oh, c'est acide! Vous avez détecté des H. Hein? L'acidité, c'est un détecteur de H. C'est pour ça que les vieux chimistes n'ont plus de goût, ils goûtaient à tout pour savoir si c'était acide ou basique. Pas une bonne idée. Faites pas ça. Euh, c'est super dangereux. Donc, c'est ce qui fait que les acides, CH3COH, dès que vous rencontrez un COH, ces acide ils vont finir par perdre des H ⁇ à cause de la résonance qu'il y a dans le COO-. Et vous allez rencontrer aussi, souvent, que ce soit en chimie organique, en biologie, des molécules dont la base c'est C6H6. Même dans l'ADN, vous allez rencontrer cette base-là. <laughs> J'ai le mot. Avec, vous allez rencontrer ceci, 6 carbones. Qui vont alterner de liaison comme ça. Ça, c'est la base du C6H6. On appelle ça du benzène. D'ailleurs, c'est de la taille d'une base d'ADN. Fait que c'est capable de se glisser entre deux bases. Fait que quand votre ARN polymérase va essayer de lire votre ADN, il va lire une base, une base, une base, il va lire un benzène, puis il va penser que c'est une base. Fait qu'il va rajouter un, un nucléotide. Ça va après ça tout décaler la, la séquence de lecture. Vous le savez, hein, il lisent trois bases à la fois. Mais là, on en rajoute un. Fait il va, ça va être tout mélangé, ces affaires. Fait que ça va bousiller le gène. C'est super cancérigène. Fait que dès que vous voyez une molécule comme celle-ci, méfiez-vous, ça risque d'être cancérigène parce qu'on est pas mal de la taille de votre ADN. Votre ADN polymérase risque de l'identifier comme étant un, euh, une base. Ça fait des mutations. C'est pas cool. En plus de ça, les électrons sont capables de sauter d'une liaison à l'autre. Ça fait de la résonance là aussi. Vous allez obtenir donc deux possibilités. Et d'ailleurs, on est capable de mesurer le courant électrique qu'il y a à l'intérieur du benzène. Ça génère un champ magnétique lorsque vous avez un courant qui s'en va dans une direction avec la règle de la main droite, ça génère un champ magnétique de ce sens-là. Bon, bien, tout autour de votre molécule, il y a un champ magnétique qui tourne selon la règle de la main droite et on est capable de le mesurer. D'ailleurs, les molécules de pentacène qu'on a vues tout au début, elles étaient toutes alignées de la même façon à cause des champs magnétiques que chacune de ces molécules-là générait. Fait que vous en retrouviez comme ça, comme ça, mais jamais entre les deux, pour qu'ils puissent toutes respecter le champ magnétique qu'ils généraient. Comment cool! La molécule de benzène a donc deux états limites, ces deux-là. Puis son, état, son hybride de résonance, on peut la dessiner comme ceci. Et voilà! Donc, ah oui, certaines personnes la dessinent encore plus rapidement. Et on va le voir un peu plus tard aussi. On peut représenter la molécule de benzène juste par un hexagone. Avec un cercle pointillé comme ça. Mais on y reviendra. PCL5, Bf2, on les a fait tantôt. H2SO4, là plusieurs formes sont possibles. On va bientôt manquer de feuilles. On est encore correct. On va continuer. H2SO4. Vous allez vous retrouver, si vous vous essayez, là, vous pourriez mettre pause, mettons, sur la vidéo pour essayer de dessiner ça, parce que vous savez que le S peut dépasser l'octet. L'oxygène, non l'hydrogène, respecte la règle du doublet. Fait que vous pouvez vous essayer, vous pourriez dessiner tout plein de choses. Fin du pause, donc vous, pouvez... vous avez peut-être obtenu quelque chose comme ceci. Et vous auriez, jusqu'ici, ici, on avait vu toutes les règles, ça serait bon. Or, ça n'existe pas. Non, ça va être la forme compacte qui va être privilégiée. Pour ceux qui l'ont dessiné comme ça, vous avez bon. La souffle peut dépasser l'octet. Il peut se le permettre d'avoir une forme comme ça. Et entre les deux formes, ça va être la forme compacte qui va privilégier. Imaginez les molécules. Ils passent leur temps à se rentrer dedans. Il y a énormément de collisions. Puis plus vous avez des molécules compactes, plus ils sont stables. Si vous avez une molécule linéaire, à force de se faire rentrer dedans, elle va finir par se reformer pour avoir des molécules compactes. Fait que quand on les analyse, on retrouve seulement des, fo des formes compactes. Donc, si vous arrivez avec plusieurs formes possibles, comme pour l'acide sulfurique, ah hein, tiens non, on vient d'y arriver, h sur 4 c'est notre acide sulfurique, c'est notre vitriol. Et un peu de vitriol...